Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal des Beaux-Arts créé par Christian Langlois et dirigé par François Zicard, diffusé en direct mardi 24 janvier 2017, de midi à 13h30. Il est diffusé en différé mercredi 25 euh, dans la nuit de minuit à 1h30, dans l'après-midi de 16h à 17h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 par courrier électronique à courtoisie.fr Chers auditrices, chers auditeurs, bonjour. Euh, en ce début d'année, je me propose avec euh, les invités euh, qui sont ici sur le plateau de parler avec vous euh, d'inspiration, de comment l'inspiration vient aux artistes et euh, quelles sont leurs sources. Et avec moi euh, se trouve tout d'abord Michel Colombin, qui est à la fois peintre, mais également, je viens de l'apprendre, la poète, hein, puisqu'il va nous lire tout à l'heure une ou deux de ses créations. Bonjour Michel. Bonjour Françoise, bonjour euh, chers auditeurs. Et puis, euh, quelqu'un que vous avez... Euh, Déjà entendu une fois il y a un moment déjà euh, qui revient avec ses nouvelles compositions, c'est le compositeur vietnamien Vinten Quach. Euh, bonjour. Bonjour, bonjour Françoise. Bienvenue. <laughs> eh, ra ra Ravie de vous avoir euh, sur cette émission. Vous nous direz vous aussi. Euh, Comment vous trouvez votre inspiration Et enfin, euh, une personnalité bien connue euh, de tous les auditeurs euh, qui nous enchante à chaque fois avec sa poésie, euh, François Fournet, bonjour. Bonjour et merci à Radio Courtoisie. Donc, euh, je me propose tout d'abord de faire un petit tour de table et je vais vous demander de vous présenter à travers la première question euh, eh bien, comment vous êtes venu euh, l'envie de créer. Alors, Michel Colombin. Alors, bonjour. Alors, euh, comment m'est venu l'envie de créer euh, Ça remonte euh, à mon enfance, en fait. Euh, J'avais euh, tout petit, euh, l'âge de 5-6 ans, euh, j'étais un enfant assez solitaire et je me renfermais en moi-même pour. Euh, euh, je je m'inventais des histoires, en fait. Euh, j'étais passionné par, euh, dès que je suis lire, euh, euh, j'ai toujours lu. Et j'étais passionné par la littérature, euh, ainsi que la musique, et la peinture et le dessin. Enfin, surtout le dessin à l'époque, pas, pas vraiment la peinture. Et puis, euh, en, en prenant de l'âge, euh, c'est plutôt euh, la littérature euh, et le dessin et la peinture qui a pris le dessus sur la musique. Pourquoi euh, bah c'est comme ça. Je, je ressentais plus euh, le besoin de peindre ou, ou d'écrire que, que de faire de la musique. Mais je suis toujours aussi passionné de musique parce que genre je pratique aussi la musique. Mais bon, euh, ah, juste pour moi, quoi. C'est <laughs> pas. Euh, je ne suis pas capable de donner un, un, un concert ou de faire une création musicale. Par contre, euh, euh, je suis maintenant euh, ancré dans la peinture depuis, euh, je dirais, 35 ans. Où je fais régulièrement des expositions euh, euh, en Corée du Sud, au Japon, en Chine, euh, euh, en Suisse, euh, dans les pays scandinaves aussi. Euh, donc, euh, ce qui m'a, ce qui m'a, m'apporte euh, beaucoup de joie de peindre et euh, et, la, et la création. Euh, est euh, toujours est euh, toujours euh, très pointu parce que euh, je me nourris de tout ce que je vois de tout ce que j'entends euh, euh, de tout ce que je lis et donc euh, l'inspiration euh, vient de tous ces événements. Quoi. Voilà. Voilà, alors vous avez déjà même lancé la question suivante sur l'inspiration. <laughs> Très bien. Alors, euh, je me tourne <laughs> maintenant vers Vinten et pour lui demander à lui aussi euh, comment lui est venue son envie de créer. Et alors euh, Vinten quash lui, c'est de la musique et, et toute forme de musique parce qu'elles peuvent être aussi bien relaxantes que s'inscrire dans l'histoire patrimoniale du Vietnam. Donc euh, un chant vraiment d'une... Dimension exceptionnellement vaste. Donc, Vinténquache, je... <laughs> dites-nous. <-t 'en> Bonjour. <laughs> euh, à l'âge de 6 ans, j'aime beaucoup la musique et je suis passionné de la musique et je ne sais pas comment il faut faire. Parce que hum, mes parents, euh, surtout mon père, ne veulent pas que je fasse la musique. Et euh, interdiction de faire la musique, c'est la culture asiatique à l'époque. La musique, c'est n'est pas bien, c'est pas un métier. Il faut, faut travailler, il faut étudier, plutôt que euh, passer le temps de euh, faire la musique. Et, et moi, déjà, euh, à 6 ans, j'ai déjà l'esprit comme un Européen. La musique c'est c'est autre chose la, la culture euh, l'école, la musique c'est même temps c'est pas c'est pas et après il fait la musique et à 6 ans et mon père il veut pas que je fasse musique et j'ai passionné et, et, pas et quelqu'un qui joue euh, la guitare m'a passionné je reste des heures pour regardez comment il joue mmh. et un jour euh, lui il a il avait 18 ans il fa fallait qu'il fasse service militaire et euh, euh, au Vietnam c'est la guerre quand on dit au service mais oui, oui. militaire c'est sa vie hein, c est, c est on vrai. revient plus jamais et comme lui il joue la guitare euh, je, je, à 6 ans je lui demande euh, est-ce que tu peux laisser ta guitare à moi et euh, en cachette, je cachais dans la <laughs> maison ah, yeah. et quand, quand tu reviens je te rends ta guitare et je commençais par ça et lui il dit non 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 tu vas abîmer ma guitare, je ne pas comme ça. Et ça, je, quelques jours après, il a changé d'idée, il, il a laissé sa guitare. Et la première guitare, euh, je commence à apprendre à accorder la guitare. Et je commence à chercher des bouquins dans les dans paris. Et de Remi Masson la Sidot, tout ça, à 6 ans. Et même temps qu'à l'école, je, je réserve de temps euh, discrètement. Mes parents ne savaient pas. Et, 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 et quand ils sont hein. pas là je, je joue je joue enfin euh, dans la rue plutôt que parce que à la, la, la maison je peux pas jouer parce que si quelqu'un qui sait ou mes frères ils répétaient à mes parents et comme ouais. ça euh, je commence à jouer et à l'âge 10 ans euh, mes parents savaient pas que je jouais aussi bien et euh, comme la personne qui m'a à la guitare il a, il a vu euh, le résultat. Il dit maintenant la guitare c'est à toi. Ce n'est plus à moi. Oh, c'est beau ça. Et beau. avec cette guitare là à l'âge de 10 ans, ouais. je fait euh, émission la radio. À l'époque il euh, y a pas de télévision encore et je joue euh, le euh, je fais un concert euh, solo de la guitare avec Panacani et bah, beaucoup de succès à partir de là. Voilà ça c'est je suis connu, mais euh, mes parents ne savaient pas. C'est le jour que le journal, sur la première page, et la photo à moi, là, j'ai eu, euh, eu, mon père est frappé, il me dit, non, 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 tu, euh, je ne te donne pas le droit de, de, de faire la musique. C'est interdiction, quoi. en gros, c'est ça. Bon, après, euh, comme je suis euh, euh, en bralène avec la musique, je suis doué de, à l'école aussi, j'ai un bon élève. Et euh, à, à l'âge de 20 ans, euh, j'ai rentré dans l'école normale supérieure à Ségon, un des plus, plus grands écoles, comme en France, pareil, en section mathématiques. Et j'ai une bourse d'études pour bon, aller en France. Voilà. Bon, à, à en France j'ai la liberté pour faire la musique. Voilà. <laughs> mais actuellement au Vietnam, pas, ça a changé quand même. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus... Euh, plus moi je parlais, 1900, euh, ouais. je suis né en 1943. À la 6 ans, on voyait euh, au Vietnam... C'est après la guerre. Quoi, si, c'est la guerre. Non, non mais après euh, la guerre de 1945. Euh, bah, que je suis né en 1943, on considère comme euh, français. Parce que ah, ceux oui, qui sont nés né avant 1945, ah, oui, oui, oui. Oui, on oui, considère oui, euh, le français, c'est les, oui. okay. les cinq pays, la, euh, oui. le Laos, le Cambodge, le Vietnam, le Tonkin, Cochinchine, tout ça. L'Indochine. L'Indochine, oui, dans vrai. lequel, quand je suis arrivé en France, après, j'ai vu euh, le, le pays qui tombe tombé dans la situation n'a pas bien et je restais en France je demandais nationalité française et on m'a répondu en disant vous êtes déjà français <laughs> maintenant vous de vous réintégrer vous retournez à la nationalité française J'étais étonné. étonné et je savais pas que je suis né j'ai déjà la nationalité française maintenant je reviens à la, la, la nationalité d'origine <laughs> oh, c'est ça voilà ma passion elle euh, a et euh, on m'a connu en 2009 seulement parce que euh, je relis un bohème de 3254 vers, mm. 3254 vers dans lequel j'ai étudié euh, au lycée une, une petite partie seulement. Et euh, à le, le vers 890, euh, j'ai des arcs qui coulent dans mes, euh, mes yeux. Et à partir de là, euh, je dis, il faut que je fasse quelque chose. Parce que dans, dans Bohème 3, 1954 vers, c'est une situation, une fille qui a toujours le malheur jusqu'à la fin de sa vie. Et, et, et moi, je, je, je suis euh, presque la, la même situation, mais je suis un garçon, pas une fille, <laughs> dans lequel... Euh, je suis tellement é, é, ému. Et la phrase 890 en disant « Tu vas quitter ton pays, tu vas mourir là. Tu vas mourir dans le pays d'accueil. » En gros, c'est ça. Et je, je trouvais ma situation, c est, c est, tu reviens plus jamais à, à ton pays natal. Et, et je, je dis à ma femme, euh, j'ai envie de faire la musique de ce bohème-là. C'est quelque chose qui conne avec ma peau. Et ma, ma, ma femme, à l'époque, n'est pas d'accord. Elle dit, mais c'est trop long, 3 000, 254 vers, comment tu vas faire J'ai dit, mais j'ai envie de le faire. Et bah, je commence un premier vers jusqu'à dernier. Et je commence à étudier pendant six mois, il faut combien de morceaux de musique Et au début, c'est centaines de morceaux de musique, ça fait beaucoup. Et après, je j'ai étudié, j'ai coupé en 77 chansons et, euh, et j'ai fait 7 CD et euh, Bakaza, euh, involontaire euh, le chiffre 7, je ne savais pas que le chef chiffre qui, qui porte beaucoup bonheur mmh. le, le 7 mercenaires mmh. le James Bond 007 <laughs> et, tous les 7. Ah, et en fait finalement euh, bon, euh, je le fais je commence à composer à 2005 je termine en 2009, ça fait cinq ans. Je n'ai Pendant que là, je travaille encore dans ma société Sopra. Et je me lève à 5 heures du matin pour faire la musique. Et pendant le transport euh, au métro, j'ai acheté un, un petit portable et pour euh, continuer à composer la musique, pour euh, préparer tout ça, et je ne sors pas pendant cinq ans, le week-end, je reste pour, pour consacrer ma vie pour le, le bohème qui s'appelle Kim Vong Kieu. Ce, ce bohème-là, c'est grâce les Français qui reconnaît les Français des professeurs de Jean-Jacques Rousseau au Vietnam, ils connaissent ce bohème-là, et quand ils sont euh, terminés en 1954, ils sont retournés en France, et il dit au Vietnam, il y a un bohème qui doit classer euh, UNESCO. Et petit à petit, il, euh, il fait de démarche. En 1965, ce bohème-là classé euh, Allez, UNESCO. de bohème mondial. Voilà, le bohème de, 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 de l'humanité, euh, etc. Et moi, quand je composais la musique, je ne savais pas. Euh, je touche quelque chose de. C'est une de, de, de le cœur de bohème d'un de pays, euh, le Vietnam, équivalent comme Victor Hugo euh, euh, en France. Et euh, en fait, quand je commence à faire ça, beaucoup de critiques en disant est-ce que lui, c'est un bon musicien Il est capable de, de faire ce genre de choses. Voilà. Bon, bah, l'histoire euh, euh, qui, qui vous dit aujourd'hui comment je suis. Et récemment, euh, bah, dans multi pays, euh, bah, on m'a laissé mes œuvres de patrimoine euh, de, de la France déjà. Et que, <coughs> mes albums sont rentrés dans la euh, bibliothèque nationale, euh, voilà, euh, ouais. et conservé comme patrimoine euh, de la France. C'est une, une histoire assez extraordinaire, ah, parce oui. que euh, oui. déjà un talent contrarié dès le départ, euh, obligation d'aller ah ben vers autre ah ben chose. Je crois que oui, euh, be beaucoup de gens de cette euh, génération des années euh, 45-50 ont, ont vécu euh, cela, oui, il y a Michel Colombin qui dit c'est pareil pour moi. Ah ben moi j'étais euh, 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 mon père. Euh... Euh, tout ce que je faisais, je n'avais droit à rien à faire, quoi. Je dessinais en cachette, euh, je faisais tout en cachette. <laughs> c'était le même euh, principe, hein. Et euh, c'était peut-être, euh, peut-être que cette génération, c'était peut-être voulu, enfin euh, pas voulu, mais c'était peut-être dans la culture de, de cette génération, je ne sais pas. C'était dans l'éducation. Dans l'éducation, peut-être. Mmh. Euh, mmh. euh, dès qu'on, dès, euh, dès qu'on allait vers, euh, qu'on ressentait un art, quel que soit l'art, hein. Euh, euh, J'avais ça autour de moi aussi, hein, des, 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 des garçons euh, ou des filles qui, qui, qui étaient un peu passionnées par la danse. Mmh. Ben pareil, hein, euh, Alors, impossible. Garçon, hein. ça devait être terrible. Euh, <laughs> C'était <laughs> terrible. <laughs> Pour oh, oui. bon, ajouter que, euh, enfin, quand je suis arrivé en France, j'ai beaucoup de difficultés. Et euh, bah, c'est un bon normal Je, je viens d'un pays euh, asiatique. Et. Euh, mais je, quand même, j'ai réussi de devenir ingénieur et j'ai diplômé euh, à Amitié. Et euh, à côté de là, euh, d'après le bohème, j'ai traversé beaucoup de malheurs, j'ai beaucoup de lutté et j'ai failli mourir sous le pont de Bailly. Et je peux vous dire que euh, je n'ai pas mangé euh, à la fin. Et euh, mais euh, je pas, dans ma tête, pas, euh, je ne peux pas prendre la musique comme métier. Pour moi, la musique, c'est un, un plaisir, c'est un loisir, non pas un métier pour moi. Et parfois, aujourd'hui, c'est l'inverse. On, on m'a donné le nom musicien. Mais en fait, je suis plutôt ingénieur qu'un musicien parce que des années 68, j'ai travaillé sur l'avion de, de prestigieux de la France, l'avion Concorde. Donc, je suis un ingénieur oui. euh, qui, qui, qui participait d'un projet de Concorde. Et après, je suis inventeur, un scène dans les ressources humaines. Et euh, qu'il a vendu beaucoup de, de grandes sociétés comme Shannon, Cartier, tout ça, des. Euh, Armstrong, le TGV, là, etc. Et donc, en fait, je suis un homme plutôt que scientifique, mais la musique, pour moi, euh, en fait, je, je m'amuse et c'est mon plaisir, mais c'est pas mon, mon métier. Je suis pas le, le musicien euh, qui sort de. Euh, de conservatoire de musique mais en fait, j'ai appris moi-même mais euh, à, à l'âge de 15 ans euh, il y a un grand guitariste au Vietnam il, il m'a raconté il me dit qu'il faut que je, je te prends et je te donne des cours et tu deviens mon euh, euh, la suite de, de moi parce que le talent que tu as, tu as joué, euh, personne qui t'a appris à jouer la guitare, tu joues comme ça, c'est impossible, c'est un don naturel. Voilà. Donc, j'ai découvert, euh, après, j'ai joué piano et, et j'ai accordé piano. Des gens me dit, mais comment tu accordes ton piano? Et après, j'ai fait un test, j'ai aperçu que j'ai, euh, on s'appelle l'oreille. Euh, L'oreille absolue. Absolue. L'oreille absolue et j'accordais des pianos. Et euh, petit à petit, les Ça amis, euh, les bouches à l'oreille, j'accordais des pianos. Pour mes amis, j'ai accordé plus de 500 pianos. Oh <laughs> C'est extraordinaire. <laughs> et oui, donc euh, effectivement, un destin dans lequel euh, une passion vous porte toute la vie et euh, à côté ben il faut faire autre chose pour gagner sa vie mais je crois que ça c'est le, le cas d'un petit peu tous les artistes qui ont beaucoup de mal à vivre de leur art mmh. et qui doivent en même temps faire autre chose surtout côté. dans la situation mmh. actuelle où c'est assez difficile pour les artistes de ne faire que leur passion alors je me tourne vers françois fournet mmh. euh, alors comment est venu euh, l'envie d'écrire de la poésie. Bah, C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être un petit peu comme Obélix. Je suis tombé sur une scène de théâtre avec un recueil de poésie dans, dans les mains. <laughs> un, un, un petit peu... C'est pas un chaudron magique, mais pour moi, c'était quand même un chaudron magique. Bah, j'ai aussi la chance de, que, que ma grand-mère était une danseuse russe qui était connue en, à son époque. Euh, j'ai un grand-père qui était artiste-peintre, un oncle qui était artiste-peintre. Tout ce petit monde vivait de son art. Donc, à euh, la différence de certains enfants j'étais quand même un peu privilégié dans le sens où j'avais la liberté de m'exprimer et pour moi l'expression était quelque chose de très important et ça a été un souci non pas de décrire parce que les mots sont venus très très vite c'est que j'étais attiré par la danse j'étais attiré par la musique j'étais attiré par la peinture bien évidemment puisque on m'a donné très jeune ma première boîte de peinture pour continuer l'héritage l'héritage artistique et la, la poésie m'a aussi pris par le cœur. Alors pour moi en fait je considère l'espace comme une page, une page où on va déposer une œuvre picturale, où on va inscrire une chorégraphie, écrire des mots. Pour moi l'expression elle est universelle, elle est euh, multidimensionnelle, et, et qu'il s'agisse d'un assemblage de fleurs, parce que là aussi ça m'est arrivé de décorer des églises, et ça c'était un peu ma spécialité à une certaine époque, eh bien euh, une fleur, une note de musique, un mot, euh, une touche de peinture, c'est un langage. Et pour moi c'est tout ce langage qui m'attirait quand j'étais jeune. Et c'était presque une petite souffrance ce que je me suis dit, mais je ne peux pas tout faire. Donc vers quoi je vais m'orienter je me suis orienté vers le piano vers la guitare vers la danse j'ai même créé une danse quand j'étais tout jeune bon, j'ai un peu oublié les pas mais <laughs> et euh, les mots sont venus c'est à dire que à chaque fois que j'entendais une musique à chaque fois que je voyais une danse à chaque fois que j'entendais une poésie en moi se créait autre chose pour moi l'art et ça je le revis très intensément très intensément l'art est ailleurs l'art est une et la liberté du cœur l'art est la liberté de l'âme et euh, c'est un foyer brûlant qui que est... que je vis depuis mon enfance et qui n'a cessé de de m'accompagner. Alors, euh, aujourd'hui, je me suis orienté vers deux dimensions, vers la, la poésie, vers l'humour. J'ai mélangé les deux, je fais des spectacles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est mon terrain d'expression de, favorite aujourd'hui. Mais euh, il faut savoir que quand j'étais jeune, je, je composais des bandes dessinées qui sont parues dans certains journaux. Donc, euh, voilà, j'étais un, un, un petit. Un petit galopin touche à tout. Ah, bien, <laughs> et alors, pour la poésie, euh, j'ai simplement le souvenir d'une poétesse russe, parce que, bon, évidemment, on fréquentait ce qu'on appelait à l'époque les Russes blancs. Mmh. Donc, euh, voilà. Et une poétesse qui s'appelait Vala. Et elle, j'avais déjà la poésie en moi, mais elle m'a ouvert la voie à ma vraie création poétique. Je me souviens très bien que le lendemain, avoir entendu cette poétesse, je me suis mis à écrire et je peux dire aujourd'hui, c'est. J'ai quelque part. Euh, c'est pas forcément. Tout, tout n'est pas très bon, mais un océan de poèmes avec moi. Et donc, quelque part, en fait, c'est l'influence d'un autre poète qui a été le meilleur moyen pour euh, vous pour ensuite devenir poète. C'est cette, cette Vala qui a été la médiatrice, qui qui m'a donné le relais. Qui m'a donné le relais où j'ai continué. Et c'est vrai que la première vraie poésie, c'est à la suite de son écoute. Ah oui. Et de, que, comme quoi, euh, on a besoin des autres d'entendre de, de la musique, de voir mmh. des gens dessiner. Il y a une émulation qui fait que tout d'un coup, on devient sensible, oui. en fait. Alors... Euh, avant de vous demander aux uns et aux autres de nous lire quelques ou de nous faire entendre quelques-unes de vos productions, je vais tout d'abord vous annoncer la prochaine exposition à la Fondation Taylor. Il y aura une exposition dont le vernissage est le jeudi 2 février entre 17h et 21h. Exposition qui va rassembler un peintre, Rémi Planche. Une, un autre peintre, Anne-Christine Roda, et enfin un sculpteur, Patrick Villas. Donc, la Fondation Taylor, euh, l'exposition est du 2 au 25 février, l'ouverture est de 14h à 20h, le vernissage le jeudi 2 février à 17h, et la Fondation Taylor se trouve à Rue La Bruyère dans le 9e arrondissement de Paris. Euh, il y a toujours de très belles expositions à la Fondation Taylor. Euh, tant que j'en suis à vous annoncer euh, vos sorties, euh, nous avons également le salon Art en Capital euh, qui va se dérouler au Grand Palais du 14 au 19 février. Et j'aimerais plus particulièrement vous inciter à vous rendre sur les stands du salon Comparaison comparaison est vraiment l'endroit où il y a la meilleure de toutes les sélections possibles et plus particulièrement le groupe de Lucas Candle, le groupe Libellule Renaissance Contemporaine va pendant ce salon comparaison présenter comme thème Divinité mi-homme, mi-bête. Donc, centaures, mmh. femmes à tête de chien, etc. Mmh. Alors, euh, je vous rappelle que le groupe Libellule, avec euh, Lucas Candel à sa tête, est un groupe euh, dont euh, la direction est d'être le plus euh, apte à dessiner avec toutes les techniques euh, à l'ancienne les plus parfaites. Tous les artistes qui en font partie sont vraiment des artistes de très haut niveau en termes d'exécution. Et donc on se régale absolument avec en plus cette imagination de ce thème divinité mi-homme, mi-bête. Alors le salon comparaison et l'ensemble des cinq salons qui se retrouvent dans Art en Capital, ça va se passer au Grand Palais du 14 au 19 février. Le vernissage, si vous voulez rencontrer les artistes, sera le 14 février entre 15h et 22h. Quant à l'ouverture euh, de cette exposition, c'est 11h à 20h tous les jours, avec un nocturne le jeudi et le samedi jusqu'à 22h, donc au Grand Palais à Paris. Mmh. Voilà. Alors, euh, vous êtes sur Radio Courtoisie. Euh, vous écoutez euh, le Libre Journal des Beaux Arts. Euh, nous sommes en présence de Vinten quash compositeur de musique et aussi ingénieur, mmh. euh, de Michel Colombin, peintre mais également euh, écrivain, et enfin euh, de François Fournet, poète et comédien. Euh, je vous propose de découvrir le talent de euh, ces trois artistes qui sont autour de moi et je vais commencer par donner la parole à François Fournet euh, qui va nous faire profiter d'une de ses petites euh, écritures et peut-être nous dira-t-il ensuite où il peut pense justement que vous pourrez l'entendre. Voilà, c'est très bien. Alors, puisqu'on parlait d'inspiration, c'est le thème d'aujourd'hui, eh bien, euh, j'ai un poème qui parle de ma naissance en poésie, et que j'ai appelé Genèse. La poésie m'est venue un matin. Si petite, pouvais-je l'apercevoir parmi les flocons qui dansaient Comment l'imaginer au sein d'un si petit volume un tonnerre attendait. Mais dites-moi pourquoi ce matin-là, mes yeux ont recherché mes doigts. Mes doigts ont dessiné des vagues, à l'écume outre-mer, fourmillantes de frissons débridés de pupilles embrasées, libérant comme un printemps de fleurs immaculées un brasier de goélands. J'ai vu la mer déchaînée de splendeur ouvrir mes fenêtres à implacable bleu, désarçonner mes vitres en mille écailles vives, hérisser mon espace de dents cristallines à la fin de velours. J'avais ouvert la porte au chant de l'infini sacré, la porte intense de clarté, hurlant sa vérité. Je savais qu'au travers de l'épreuve scintillante, du fond de mon ombre éblouie, j'étais libre. Et dans ce poème eh bien j'ai envie de dire on retrouve la peinture mmh. on retrouve la musique et on retrouve les mots mmh. oui la... parce que ça suggère des images mentales oui, et oui. alors l'inspiration c'est cette porte ouverte ah, pour moi pour, moi pour moi pour moi pour moi l'espace l'espace c'est une page blanche une page blanche qui me, qui me donne le désir d'y apporter mon expression et une expression purement libre Aujourd'hui, pour moi, elle se manifeste en mots, elle se manifeste sur scène, et j'ai envie de non seulement donner une expression, mais une expression qui va donner du bien aux autres. C'est pour ça que j'aime bien l'humour, parce que l'humour détend, l'humour fait du bien. On a besoin beaucoup d'humour de, de, dans ce monde qui parfois est cruel, avec beaucoup de souffrance, d'ignorance, de, de solitude. Et c'est pour ça que là, puisqu'on parle de, de, de ce support qui est le spectacle, eh bien j'ai deux spectacles à vous proposer. Euh, donc d'abord en, en musique, c'est pour évoquer un grand chanteur français qui, est, qui était Jean Ferrat. Et Jean Ferrat, eh bien, se manifeste par le spectacle que j'évoque à Lain et Rose, à, au Moulin de Bièvre, le dimanche 29 janvier à 15 h donc, au Moulin de Bièvre, là il est rose. Hommage à Jean Ferrat, c'est un hommage composé de, des 22 meilleures chansons de Jean Ferrat, mais également du parcours de sa vie. C'est-à-dire que dans ce spectacle, je suis à la fois le narrateur et aussi Jean Ferrat lui-même. Mmh. Je joue le rôle de Jean Ferrat. Et euh, si cela vous intéresse, donc pour avoir plus de précisions, et bien je peux vous donner euh, mon numéro de téléphone, qui est le 06 09. 92, 14, 47, 06, 09, 92, 14, 47. Un deuxième spectacle, à l'occasion de la Saint-Valentin, parce que moi j'aime beaucoup cette Saint-Valentin qui a lieu le 14 février, Et bien deux jours avant, c'est un dimanche, 12 février, à 15h, je suis à Montmartre où tout seul... Je vais euh, donc euh, décliner l'amour dans des situations, dans les, 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 plus, les situations les plus colorées, les plus diverses, quelquefois surprenantes, saisissantes, beaucoup d'humour, de l'émotion, avec quelques pas de danse également. Et c'est au 32 Rue Muller, euh, dans le 18e arrondissement, métro en vert ou métro à baisse. Et ça, ça, le, le lieu s'appelle le soleil de la butte. Donc dimanche 29 janvier. Euh, autant pour moi, dimanche 12 février 15h, le spectacle s'appelle Plaisir d'amour. Voilà. Ah, oui <laughs> Et donc 06 09 92 14 47, si vous souhaitez en, en savoir plus. Alors euh, j'ai une question, pour le spectacle Jean Ferrat à La et Les Roses, quelle est la date du la, la date c'est dimanche prochain, 29 janvier 15h. Mmh, 29 janvier. Et pour mon artiste tout seul, pour ne pas utiliser le mot anglais, <laughs> et oui. bien c'est le 12 février à 15h au soleil de la butte de Rue Muller. Ah, très bien. Alors, euh, on me demande euh, de rappeler également les journées russes et, et francophones qui vont avoir lieu les 4 et 5 février à la mairie du 5e arrondissement, donc place du Panthéon, avec la présence de Nicolas. Tycho Brazov. Donc, les 4 et 5 février, à la mairie du 5e arrondissement, avec la présence de Nicolas Tycho Brazov. Alors, des journées russes. En revanche, il faudra que vous voyiez avec la mairie du 5e arrondissement, puisqu'on ne me donne pas les horaires. Voilà. Donc, effectivement, il y a de belles choses à faire. Et euh, j'ai vu que euh, vous disiez que quand vous composiez, c'était entre autres, pour le bonheur des autres. Et cela, je crois que euh, c'est... Exactement ce qui vous caractérise, François fourné c'est cette générosité de penser aux autres avant de penser à soi. Mais c'est aussi un bonheur partagé parce que à partir du moment où on, on, on voit en face de nous un public qui rit, un public ému, un public ravi, un public qui euh, sort du spectacle avec une larme à l'œil et puis un grand sourire aux lèvres, eh bien ça vaut tous les trophées du monde. J'ai même pas besoin de prix, ça, ça ne m'intéresse pas. Alors je, je crois que ça se rapporte euh, complètement à la façon et l'intention dont Vintenquash a pensé lui aussi sa musique, puisqu'il a composé certaines musiques exprès pour euh, que euh, l'auditeur se détende, se sente mieux, et il y a même euh, dans certaines musiques... Euh, réussi à ce que les gens se sentent tellement mieux que ça produit pratiquement des guérisons. C'est bien cela une de Tout à fait. Euh, c'est quelque chose que je, je n'ai pas imaginé et, et c'est déjà produit. Euh, en mine, euh, 2005, je commence à faire la musique Kivankyo euh, et en même temps, euh, je fais la musique qui s'appelle Le Destin et euh, pendant que là, il euh, y a un monsieur qui a 90 ans, euh, mm. il va mourir dans trois mois à l'hôpital. Euh, le médecin il dit euh, il ne mange plus, qu'il ne regarde plus la télé, il n'est plus le journal. Donc euh, ces, ces enfants sont tellement tristes, ils ne savent pas quoi faire. Et euh, parmi ces enfants, il y en a un ingénieux de mine, qui aperçut que j'avais fait la musique le, le Destin et dans lequel euh, lui, il a dit euh, il a écouté, il dit mais peut-être c'est quelque chose que euh, ça fait du bien à, à mon père et il a procuré le euh, premier CD euh, que j'ai fait en 2005, parmi sept CD, le premier CD et il l'a amené à, pour faire écouter à, à son père à l'hôpital et euh, Messin, il dit, euh, dans trois mois, euh, il va partir. <coughs> trois mois après, il est toujours là. Et Messin, il dit euh, à, à, à son fils, il dit, euh, on s'est tombé, mais euh, ça va pas tardé. Dans six mois, euh, il va partir. Et euh, six mois après, et il revient, il m'a téléphoné, il me dit, mon père, il, il, il est toujours vivant. Et euh, toute la journée, il, il écoutait ta musique, il met de le matin jusqu'au soir, et au bout d'un an, il est encore vivant, et euh, tout le médecin se réunit en, en disant, il y a quelque chose qui, 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 euh, qui, qui est étonnant, que euh, on, on, tout, tout le monde est d'accord qu'il ne peut pas vivre plus de six mois. Et après, euh, ils sont perçus, qu'est-ce qui change depuis euh, trois mois, euh, on a décidé en disant, oh, monsieur, il va partir. Et, on, et tout le médecin, il dit, bah, c'est une chose, il écoutait la musique. Il écoutait la musique toute la journée. Et parce qu'il ne peut pas regarder la télé, il ne peut pas lire, il n'y a que musique il va écouter. Et euh, tout le monde euh, dit, c'est cette musique-là euh, qui lui qui fait du bien. Et euh, l'histoire passe. J'ai sorti deuxième liste » 2006, il est toujours encore vivant. 2007, il est encore toujours vivant. 2008, il est encore là. 2009, je termine mon CD et son fils l'était chercher. Il dit mon père, il est toujours vivant et il écoutait toujours ta musique et il écoutait le dernier CD. Et après, il est, il est parti. Il est, il est mort de, de 2005 à 2009. Tous le maison, ils sont étonnants. idée. c'est mais ce musicien qui a su. Il a prolongé sa vie pendant cinq ans. Et nous, en médecin, on n'a pas trouvé un médicament pour remplacer ce qu'il a fait. <laughs> Alors, euh, bah, évidemment, maintenant, ouais. nous voulons découvrir un de vos airs. Euh, euh, vous avez choisi un extrait. Euh, en fait, euh, j'ai proposé Écoutez euh, euh, la musique. Euh, ben, les gens ils vont découvrir la, ma musique, Le Destin, mais aujourd'hui, je présente la musique de l'amour, le Paris Amour en éclosion. C'est là que je trouvais bonheur avec ma femme, j'ai retrouvé ma femme, voilà, ah. aux sens élysées Ah, ben voilà, alors ça va très bien avec la Saint-Valentin. Ah, très bien. Oui. <laughs> eh bien, on va vous écouter. C'est vous-même qui jouez euh, euh, de la guitare de, dans ce morceau. Tout à fait, oui. J'ai je... composé et c'est moi qui l'ai composé et réalisé en même temps euh, en tant d'artiste. Alors, une question. Euh, donc, il y a une personne qui vous dit Félicite Félicitations aux musiciens, c'est super. Peut-on acheter ce CD C'est vraiment une belle musique. Alors, euh, il faut que vous donniez l'adresse euh, du site où vous pouvez euh, euh, retrouver euh, toutes euh, ces musiques. Alors, sur YouTube, euh, vous pouvez euh, trouver euh, ce morceau. Alors, vous allez sur youtube.com slash user. Slash tien musique. Tien, t -h i e n musique. Voilà. Et euh, si vous avez besoin d'autres informations, euh, il y a également un site. Alors le site, c'est www.tiennemusique.com Alors tien musique, t-h-i-e-n, m u s i -c com voilà, alors je répète, sur YouTube, vous pouvez euh, donc trouver tous les morceaux qui passent aujourd'hui. Donc euh, vous allez sur youtube.com slash user, user, slash tienne musique, T-H-I-E-N-M-U-S-I-C. -e voilà, et merci pour vos compliments, car nous avons la chance d'avoir avec nous un compositeur dont la musique est tout à fait agréable. Euh, je reviens sur euh, euh, les euh, journées russes et francophones euh, des 4 et 5 février à la mairie du 5e arrondissement euh, avec la présence de Nicolas euh, Tikhobrazov. Les horaires des journées russes et francophones, c'est de 10h à 18h les 4 et 5 février à la mairie du 5e arrondissement de Paris et l'entrée... Et gratuite. Et merci à l'auditeur qui nous a donné ces précisions. À l'auditrice, pardon. <laughs> voilà. Alors, euh, une question a été posée également par un auditeur à François Fournet concernant la les roses pour le spectacle en hommage à Jean Ferrat du 29 janvier à 15h au moulin de la bièvre euh, eh bien euh, je, je viens pour avec d'autres partenaires bien sûr la chanteuse et la musicienne euh, à la les roses comme je suis venu à Nantes à la Baule, dans d'autres villes à Montmartre euh, et je n'ai pas du tout euh, eu rapport avec le groupe de poètes de la Rose. roses là je, je connais point principalement les poètes de Montmartre à la rose. Je n'ai pas la chance de connaître, je ne sais pas si c'est une chance d'après ce que je vois, euh, le groupe de ces poètes. Voilà. <laughs> Merci beaucoup. Alors, euh, donc, euh, vous êtes toujours sur Radio Courtoisie. Nous venons d'écouter un extrait euh, superbe d'un du, des morceaux euh, qui s'appelait euh, De l'amour. De l'amour, oui. Marie. Et donc, euh, oui. C'était le moment où vous avez rencontré votre épouse. Tout à fait. Oui. Donc, euh, et évidemment, juste après avoir entendu euh, François Fournet annoncer euh, la Saint-Valentin pour son prochain spectacle, nous donner quelque chose sur l'amour, c'était vraiment euh, extraordinairement bien trouvé. Et on et a, moi, j'avais envie de danser avec Françoise <laughs> en, en écoutant <laughs> la musique, mais c'est vrai, c'est voilà. vraiment très dansant, Donc, euh, et très agréable. Oui, <laughs> euh, effectivement, on, on comprend le plaisir qu'a pu avoir cette personne âgée euh, dont vous disiez qu'elle avait continué à vivre en écoutant cette musique parce qu'elle est vraiment une musique qui détend oh oui. et euh, on, on peut partir dans une grande méditation vous savez que euh, quand je suis rentré à, à l'Assasem euh, le premier jour on m'a raconté une petite histoire de de compositeur succès et euh, Charles Téné, il a fait euh, plus de milliers de chansons, mais parmi des chansons euh, qui, de, qui deviennent euh, célèbres, c'est la chanson de la mer. C'est la mer. Euh, Charles est euh, il, 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 il dans le temps, il s'ennuyait bon, aller à la mer, il ne sait pas quoi faire. Il sortait un papier, il a composé la chanson de la mer, ça durait 5 à 10 minutes. Et la chanson la la qui est devenue la chanson la plus célèbre de euh, Chartenet, pendant que lui il a compté des, des autres, il a fait des jours, des mois, parfois des semaines, etc. Et, 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 et qu'il ne peut pas euh, trouver la même chose que la mère. Et moi, euh, je peux vous dire, en fait, le, le morceau qu'on bien écouté, c'est pareil, amour, éclosion, parce que je suis. Euh, j'ai tombé euh, sur ma femme et j'étais tellement amoureux. Et, et, et je sors cette musique-là, en fait, la musique euh, est, est spontanée. C'est le cœur qui, qui, qui écrit la musique plutôt que ma tête. Donc, en fait, le, la vie de l'artiste, c'est l'émotion qui écrit la musique. La musique, c'est c'est pas un bruit, mais c'est la, la baronne du cœur. Donc, vous exprimez pourquoi il y a certaines personnes qui sont handicapées, euh, mongolien, et euh, ils n'aillent à trouver ma musique parce qu'ils n'aillent pas communiquer avec les autres. Et que sonne la musique, il peut communiquer. Et, et la musique, c'est un baronne et universelle, je veux dire. Euh, on barque l'anglais, on barque français, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, on chinois, mais quand on barque musique, tout le mmh. monde comprend. Soit la musique, mmh. il, est, il est, est. La musique. Exactement, euh, qui... c'est un langage universel. Ouais. Alors, justement, ce langage universel, euh, pour vous, Vinton Quash, il est à la fois. Un langage qui vous permet de vous inspirer de, euh, des poèmes de la tradition vietnamienne dont vous êtes issu, mais aussi d'exprimer des choses euh, tout à fait euh, inspirées par euh, la vie quotidienne, par euh, ce que vous vivez en Europe. Euh, tout est source d'inspiration pour vous. Tout à fait. Euh, vous savez que euh, Bakmi, l'album que j'ai amené aujourd'hui, c'est le morceau numéro 9 je vous explique, euh, c'est extraordinaire. J'étais euh, une semaine à Venise. Je suis comme chartené et je ne sais pas quoi faire. Et euh, Venise, tellement jolie, tellement beau. Et euh, le soir, je rentre à l'automne, j'ai dit, euh, j'ai envie de faire quelque chose. C'est la musique. Et à l'automne, il n'y a, a pas de guitare ni de piano. Hein. Ah. Euh, c'est ma tête uniquement. Et j'étais Tellement, je trouvais euh, pendant des jours à Venise, merveilleux. Et, et, et j'ai écrit de tête et sur papier, et j'ai écrit de la musique euh, semblable à certain musiques classiques à l'époque, euh, italien Et euh, parce que, en même temps, je, à Venise, en même temps, j'ai découvert certains artistes euh, connus, en, euh, en italie et j'ai créé cette musique là à l'occasion si vous écoutez le morceau euh, numéro 4 c'est euh, penser de soi penser de soi c'est à dire que on, on pense à quelque chose de euh, merveilleux de la vie et c'est quelque chose qui produit euh, pas euh, pas par, euh, par comme demande c'est par le par, euh, quelque chose grand surprise qui vient euh, dans notre vie une ou deux fois de notre vie et, et, et là il reprend prendre l'occasion ou euh, vous, vous interpréter de, de sensations de, euh, en tant artiste et ça là j'ai composé euh, le morceau qui s'appelle Pensée de, de soi à l'occasion vous, vous écoutez vous sentez que euh, c'est la musique qui est composée il y a 200 ans ou 300 ans. Voilà. Ouais, Alors une question d'un auditeur euh, sur la musique asiatique. Le rap existe-t-il en Asie euh... Euh, Le rap, euh, aujourd'hui on dit le rap, mais en fait à moi, c'est le rap, ça existe depuis très très, très longtemps. Très longtemps, euh, même il euh, y a des années 50, on ne dit pas le rap, mais c'est des... S'il y a de la musique, les gens qui racontent l'histoire, c'est le rap, c'est des paroles. Et euh, aujourd'hui, euh, le, le rap devient le, euh, plutôt la musique euh, beaucoup de mouvement, cest avec les batteries, beaucoup de, de bruit, beaucoup le bruit, plus oui, de danse. Mais en fait, c'est n'est pas le baron qui compte, c'est le, 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 le rythmique. Les, les gens les, parfois on comprend rien de ce qu'ils raconte <laughs> mais beaucoup moi enfin en tant euh, artiste euh, toutes mais euh, j'ai composé plus 1000 chansons et j'ai jamais pensé le rythme de, de rap par contre j'ai fait le rock and roll j'ai fait toutes sortes de tango tchia tchia, bossa nova etc mais j'ai déjà pensé rap et je ne le fais pas parce que je trouve rap, c'est euh, quelque chose d'individuel et et c'est quelque chose, ça ne va pas durer et, à l'avenir. Et c'est la musique à l'avenir, c'est la musique euh, éternelle quand vous voyez euh, ou écoutez euh, euh, certaines musiques euh, classiques à l'époque euh, de Mozart. Vous trouvez aujourd'hui, euh, c'est éternel. Et la musique de rap, à mon avis, euh, je pense pas que éternelle. Et par contre, le euh, au sens de musicale, je trouve il n'y a, a pas de valeur musicale, euh, à mon avis. Et quelque chose, je euh, sais par contre ceux qui font du rap, hein, je, ça, ça c'est chacun son goût. Mais euh, moi, euh, en tant que compositeur, je compose pas le euh, rap. <laughs> oui. Alors, je me tourne vers Michel Colombin, qui est venu également avec oui. un poème. Ah. Alors, je suis ah. venu avec ah. deux poèmes. Et en fait... Euh... Alors, j'ai composé deux poèmes. En fait, je, moi, je compose les poèmes à l'instant T. En fait... Euh... Je suis en train de peindre ou j'écris euh, et puis j'ai un flash, euh, un poème qui arrive. Alors les mots arrivent seuls Les mots arrivent seuls. Ils arrivent, ils coulent. Euh, j'ai euh, là par exemple, j'ai composé euh, ce poème là sur l'habitude, l'habitude que que l'on a tous. Hein, tous les jours, on vit quand même quelque part par habitude. Oui. On est tous confrontés à ça quand même. Hein. Et donc euh, moi, j'essaye de je n'y arrive pas. De temps en temps, j'arrive, mais je suis comme tout le monde. J'essaye de que chaque journée soit une nouvelle journée, c'est-à-dire que la journée d'avant n'existe plus. Ce qui me fait progresser, en fait, au niveau de la création picturale ou euh, quand je vais dessiner dehors, je dessine toujours sur le modèle vivant. Hein, donc, je dessine dehors dans les cafés. Je dessine énormément de musiciens parce que je vais dessiner beaucoup au conservatoire de musique et euh, et donc euh, voilà donc à chaque fois c'est différent et donc j'ai composé un poème sur l'habitude alors je veux je peux le sûr lire. De vous y... alors le titre alors titre l'habitude la force de l'habitude épaisseur continuelle d'une attitude où rien n'est dans l'incertitude tu n'es que quiétude un nœud de corde qui enserre mon corps avec ordre la raison de mon désordre et liberté, je dois te tordre pour que chaque jour soit un nouveau jour, que chaque minute soit un carrefour, que chaque chemin soit un détour, que chaque seconde soit amour. Ah. <laughs> donc, Alors c'est venu comme ça spontanément C'est venu comme ça, ça m'est venu vraiment spontanément. Hein, euh, sur. Euh... Et donc vous étiez en train de dessiner. Euh, là, j'étais en train d'écrire ah, quand j'ai fait ça. En train d'écrire euh, autre chose Oui, j'ai écrit un, un nouveau roman. en train d'écrire un roman. J'ai voilà, déjà écrit des, un roman, enfin, j'ai trois romans, dont un qui a été publié, qui a très bien fonctionné. Qui est en... Je voudrais moi-même en faire une bande dessinée, mais bon. Euh, ah Il faut ah, beaucoup de temps. Bien sûr et Les journées sont très courtes. Donc voilà. Et puis. Et, et donc Laissez-nous un petit peu vous imprégner de ça parce que euh, effectivement là on a quand même euh, des pistes pour comprendre un peu comment fonctionne l'inspiration. Vous êtes complètement immergé dans autre chose. C'est-à-dire cinq, cinq minutes avant, je ne sais pas que je vais faire ça. Voilà. Bien Et hein, est... les mots arrivent seuls. Les mots arrivent seuls comme ça. Donc un je peu ne sais comme pas pourquoi comme si euh, le, le, le fait de, de penser à autre chose faisait que dans votre cerveau, il y a une zone euh, dans laquelle on peut dire que euh, plus rien ne se passe, ou c'est une sorte de, de, de rêve éveillé un peu. Ouais, ça, où oui. Les mots euh, se combinent tout seuls et donc ça, ça crée un, un quelque chose. Une osmose qui fait que. Euh, euh, je n'ai pas d'explication. Hein. ça vient comme ça. Hein. Euh, mm. euh, c'est comme quand je fais des peintures. Euh, souvent, je commence une peinture et puis euh, le résultat, c'est pas du tout ce que j'ai pensé au départ. Mm. Ouais. Donc, euh... de, donc là, il y a, y a une sorte en fait de euh, comment dire de de, de, de de page blanche dans l'esprit, euh, ah, une sorte. De, de calme, de tranquillité dans lequel les choses arrivent, un peu comme si elles venaient d'ailleurs. Possible. Voilà. Oui. <laughs> ah oui bah, bah, de toute façon, comme dans l'inspiration, on dit que ou l'inspiration est divine, ou que c'est au contraire une affluence d'idées qui va stimuler euh, la créativité. Euh, on entend des choses, etc. On, on est là en train de euh, repenser à tout ce qui tout a été fait, dit oui, et tout. Ça, est culturel. Tout à fait. Et, et ça, c'est une forme d'inspiration. Mais... Et... mais là, on est justement dans cette espèce de miracle. Qui arrive, l'idée vient seule. Ah, l'idée vient seule, là. fait. tout à fait étonnant. Ah oui, ça c'est. Euh, euh, donc, je compose dans. J'ai composé aussi un autre poème. Euh, alors, écoutons-le. Euh, bah, c'est dans, dans le même tonneau. Hein, je veux dire, c'est euh, pareil. Hein, je ne savais pas 5 ou 10 minutes avant que j'allais faire ça, quoi. Hein. C'est venu. Euh, Les mots euh, se sont mis en place tout seul. Oui, alors, c'est par rapport aussi euh, à la vie euh, trépidante qu'on vit chacun de nous. Euh, on est toujours euh, en train de. Quelle heure il est euh, euh, On a combien de temps pour faire ci, pour faire ça Bon, alors, euh, j'ai fait un poème. Sur le temps sur, la mon, euh, sur le temps, donc ça s'appelle La montre. La minute qui passe défile dans sa cage. Dans la confidence, les, les aiguilles fouillent, le temps qui bafouille. D'un œil complice, fermé dans ma lisse, je séjournais silencieux, prêt à tous les enjeux. Puis, dans un invisible combat, la vitre se brisa. L'heure était un souvenir, la liberté un plaisir. Oh. <laughs> ah oui, alors, ce qui nous amène à vous poser une autre question, vous allez bientôt exposer à la Cité du Temps. Euh, donc, euh, moi, j'ai euh, exposé à la Cité du Temps. Oui. Mais euh, j'ai un autre, un autre artiste euh, qui expose à la Cité du Temps, si je peux en... Bien en... sûr, en dire un mot. En dire un mot. Donc, cet artiste s'appelle euh, Sam Sophie. Euh, et donc, euh, Sam Sophie euh, est né en 1981 à Lyon. Et il a commencé sa carrière artistique comme photographe euh, dans le sport extrême en zone urbaine. Et puis un jour, euh, Sam Sophie a décidé de rester chez lui pour s'occuper de son fils. Et, euh, et là, pendant que son fils fait de la sieste, euh, donc il a emprunté ses petits personnages colorés pour créer des installations des oui. des Lego. Hein, donc euh, et puis euh, il a commencé à hum, à faire des installations, à faire des sculptures avec ses, ses Legos. Il a fait des photographies, il a fait des compositions. Et puis, il a, il a, il a exposé ses photographies. Donc, il expose actuellement à la Cité du Temps, euh, à Genève, euh, Pont de la Machine. Euh, L'exposition euh, est du 18 janvier au 19 février. Et euh, l'entrée euh, est de 9h à 18h, entrée libre. Donc. Euh, ça mérite d'être vu parce que c'est très très original. C'est euh, une personne qui pratique aussi le, la peinture. Et donc on retrouve, euh, on retrouve sa, sa façon de faire. Euh, il fait des compositions en fait. Après, il fait des photos de ses compositions. Il a fait par exemple une photo, enfin, une composition qui est très intéressante. C'est une bibliothèque. Euh, un livre qui est sorti. Je sais pas si. Euh, un livre qui est sorti de. Il y a une rangée de livres, en fait. Il y a un livre qui est sorti. Et en bas, euh, en bas de la pile de livres, il y a un portable, un téléphone portable de, euh, euh, avec un écran bleu. Et en haut, il y a un personnage, comme s'il allait sauter dans une piscine, quoi. Enfin, c'est une image, quoi. Mmh. tu t'en penses à ça. Hein. Donc. Euh... Voilà. Et donc, c'est. Euh, c'est euh, donc. Euh, euh, Madame Anussi Barbeau euh, qui. Euh, qui euh, est directrice de la galerie euh, Chromia qui qui Exactement. fait les, qui promeut euh, cet artiste. Quoi. Voilà. voilà. Alors donc vous êtes sur Radio Courtoisie, c'est le Libre Journal des Beaux Arts que vous écoutez actuellement. Euh, je suis en compagnie de François Fourné, de Vinten quash et de Michel Colombin, et je me tourne à nouveau vers ce dernier euh, pour euh, lui parler un petit peu de cette euh, exposition qu'il prépare dans laquelle euh, justement le thème c'est la musique, c'est la musique parce que en fait, comme je l'ai dit au départ, euh, je, je suis euh, passionné par la musique, j'ai toujours été, mais bon, euh, voilà, dans ma tête, j'ai pris plutôt la voie du dessin, de la littérature, mais je n'ai jamais abandonné la musique parce que moi-même je fais du piano euh, donc euh, j'interprète des morceaux. Et je fais aussi euh, de l'improvisation, mais que pour moi, hein, que pour moi. Alors parfois c'est pas mal, et puis parfois je bah, je pratique pas. C'est la musique faut que ça soit musique <rire> <rire> Voilà. Mais euh, donc je suis toujours passionné par la musique, et je donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je dessine euh, beaucoup les musiciens en conservatoire de musique de Metz euh, à l'audito donc, euh, soit des, des élèves qui, bah, qui montrent leur, euh, leur travail, ou alors il y a des orchestres de jazz qui viennent. Donc, à chaque fois qu'il y a, il y a un enfin, quelque chose à l'audito, j'y vais. Hein. Et, euh, et donc, je prépare une exposition, une biennale d'art contemporain qui a lieu tous les deux ans, donc c'est cette année, et le thème, c'est la musique. Donc, c'est ouvert à, à tous les artistes euh, s'ils veulent... Euh, y participer. Donc, cette biennale aura lieu du 16 septembre 2017 au 1er octobre 2017 au château de Courcelles à Montigny-les-Messes. Montigny-les-Messes est une commune qui est adjacente à la ville de Metz. Donc, euh, ils peuvent me contacter s'ils veulent s'inscrire euh, sur Armonti. alors A-R-T-M-O-N-T-Y 2015, alors tout attaché gmail.com Très bien. Armonti, alors je redis alors Armonti, A-R-T-M-O-N-T-Y 2015 gmail.com Donc c'est ouvert euh, à tous les artistes. Euh, donc il y, euh, y a cinq prix qui sont décernés. Euh, et donc le thème est la musique. Et sachant qu'il faut euh, des tableaux... La dimension minimum de chaque tableau est de 40 par 60 et chaque artiste dispose de 2 mètres euh, linéaires. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous avons parlé il y a peu euh, du fait que euh, l'inspiration pouvait provenir euh, de différents éléments et parfois euh, il y a un auteur, un peintre, un musicien qui va. Être à l'origine de telle ou telle des œuvres que vous avez écrites ou composées les uns et les autres. Et donc, ma question, alors je vais me tourner d'abord vers François Fournet. Euh, eh bien, pour les poèmes que vous composez, y a-t-il une référence Quelque chose que vous avez dans l'idée, euh, un poème de quelqu'un d'autre ou une musique euh, qui déclenche euh, le phénomène de l'écriture C'est-à-dire que moi je considère l'inspiration comme un enfantement. J'ai entendu tout à l'heure no notre ami qui était extrêmement passionnant. Et, et c'est pour moi tout est en embryon. C'est-à-dire que on reçoit des émotions à partir de. Musique, comme on a entendu dans notre amitié, c'était mmh. vraiment magnifique, mmh. euh, de paysages, euh, de poèmes, de rencontres, de regards, de sourires. Et euh, cela, disons, est engrangé quelque part dans notre cœur et il suffit d'un déclic. Ça peut être un morceau de musique, ça peut être au moment où on va écrire un roman, mmh. ça peut être un moment où on, a, on est dérangé. Quelquefois, on peut être dérangé et puis tout d'un coup quelque chose se dégage, se libère, et on a envie de, de laisser sur la page se déployer en éclosion les mots, euh, la poésie. mais ça, c'est valable tant pour la poésie que pour la peinture que pour la musique. Euh, si je peux me permettre, j'ai un... Euh, c'est également euh, dans l'art contemporain. moi, je dirais que c'est l'idée. c'est ah, oui. l'idée. ah oui, qui est, qui est à la source de, 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 de l'art contemporain. Euh, et j'écris justement un texte sur l'idée. La vague eut l'idée de ciseler l'écaille. L'écaille de façonner l'œil. L'œil regarda la terre. La terre reçut l'empreinte. Le vent eut l'idée de modeler le souffle. Le souffle de s'élever en cri. Le cri chercha le ciel. Le ciel imagina l'envol. Le pas eut l'idée d'atteindre l'horizon, l'horizon d'éclairer l'espérance, l'espérance rencontra l'amour, l'amour engendra l'enfant. L'enfant eut l'idée de composer des signes, les signes de s'épanouir en mots, les mots formèrent des vagues, signèrent de leurs empreintes l'ivresse de leurs ailes. C'est là que la vie eut l'idée de me faire naître. <laughs> C'était ouais. ah oui. J'ai envie de faire la musique de ce <laughs> poème. Ah, C'est ah. gentil. Alors voilà, voilà qui est intéressant. Ce serait de, de faire des, oui, des, des musiques sur des, des, des poèmes. Et alors, moi, j'aimerais, si, si on, si oui, on a le temps, de répondre à notre ami hein. vietnamien que, dont j'ai adoré la musique. Non, oui. Je suis impatient que, de l'écouter. Euh... C'est un poème qui, qui répond à cette musique. Parce que pour moi, cette musique douce, thérapeutique, miraculeuse puisqu'on on a parlé d'un homme qui a été guéri en entendant la musique de, de tienne. Un sourire. Un sourire, c'est un peu de lumière parmi les ombres, de chaleur au cœur du monde. C'est un petit soleil que t'isonne un plaisir. C'est la barque légère où prend place l'amour. Un sourire, c'est un peu... C'est si peu, un simple pli sur les lèvres des yeux, l'esquisse d'une aile pour donner le désir de s'élever plus haut, c'est un reflet qui chante sur le cours mélodieux d'un délicat silence. Un sourire c'est un matin où on retrouve cette barque légère sous l'esquisse d'une aile. C'est l'invitation à reprendre sa place d'exister sur le cours des sourires. Pour le bonheur des vivres. Super! <laughs> C'est bon, alors, alors, Moi, euh, cette musique me fait penser à ce poème. Une, bon, une je question le, que... le ressens tel oui. quel. Une question que, qui m'a toujours intrigué, parce que je ne sais pas faire, pas du tout faire, c'est-à-dire que, on, par en un texte, et comment une personne arrive à faire une musique sur un texte? C'est. Ah bah moi, ça m'a l'air assez. Euh, pour moi, c'est très naturel. Oui, c'est-à-dire que la musique va va m'emmener dans un voyage. Non, non, mais la ah. musique, c'est-à-dire mettre des notes pour, ah, qui, oui, la, pour créer une chanson. Pour créer une chanson, c'est autre ça. chose. Mais non, c'est-à-dire que par exemple, <laughs> euh, tiens, il va faire une musique oui. sur un poème. Bon, il va il va composer. Euh, je veux dire, il va il va écrire une partition. Je ne sais pas. Si, euh, si vous voulez, euh, je prends un exemple concret là, le, le bohème. Parce on... qu'il faut que la musique sonne avec le, 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 le bohème, poème. bohème, tout à l'heure, l'idée pour oui. le sourire euh, le sourire les deux, euh, euh, voilà allez euh, euh, de de euh, comment comment, j ouais, comment la vous, allez, voilà. vous savez que dans euh, un, un musicien ou un compositeur il euh, y a il y a il y, y a trois euh, périodes la première période il faut le absorber complètement le texte le texte ouais. de, de, de de telle manière on considère comme euh, artiste qui joue un film, qui prend le rôle comme lui. Ah et oui, moi, oui. Euh, il est imprégné. Je, de, je il ce bohème-là, avant d'interpréter euh, en musique, je vais le lire minimum 100 fois. C est, c est je ah, lis bah, lentement. Et, et après, je n'ai plus besoin de cette feuille-là. Il faut être baigné. Il faut l'imprégner. Il faut l'imprégner. À haute voix, vous lisez. À haute à haute vous lisez non, non, non. Hum. Je, je, je lis. Euh, euh, ce, on n'entend pas. Je lis par la tête. C'est-à-dire que je, 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 lis, je lis en regardant et, et j'ai absorbé Absorber le poème. Le poème, je considère comme le mien maintenant. C'est tout à, la, tout à la fait le, la, belle, la bonne démarche. C'est le vôtre devient le mien parce que je ne comprends peut-être pas la même chose que vous. Je ne comprends pas. différemment. Euh, pas. Gens, mais je, je prends ce texte-là, je considère comme c'est mon œuvre maintenant. Il faut que je traduise en musique. Donc, le, comme je dit tout trois bariotes, la première période la sensation, tant que je n'ai pas encore sensation, je ne fais pas la musique. Oh, c'est pas la peine, c'est sûr. la sensation, Et, hein. et je comprends. trouve l'émotion. Voilà une dit. fois que je trouve l'émotion, je traduis en musique. Je fais comme euh, Beethoven. Beethoven, il a fait 5 e symphonie il est tellement fatigué la nuit là, il s'arrêtait. Et le lendemain, il recommence pas ce morceau-là. Il dit, c'est fini. Je fais un autre morceau, mais pas celui-là. Et le, le Beethoven, il a fait, il se devient le morceau, le, le, le morceau, c'est le but célèbre, on s'appelle Cinquième... Cinquième euh, symphonie. Symphonie hein. de Beethoven, en achevé. inachevé, oui, oui, oui. oui. Parce qu'il n'a pas terminé. Et moi, c'est exactement pareil quand j'ai une sensation, je le fais jusqu'au bout. Si jamais je n'arrive pas à euh, de terminer, en fait. demain matin, je ne je, je, je reprends pas. Parce que quand on reprend, c'est une autre sensation. Oui. C'est une autre sensation, c'est une autre émotion. Ce n'est pas le même. Donc, la première période est là. C'est là où on sent que un plaisir, un plaisir de soi-même, mm. de, 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 de traduire en musique. La deuxième période, pour moi, il faut que j'aie écrit la musique. Il fallait que je trouve quelqu'un qui va interpréter. Ah oui, hein, oui, interpré euh, ma, est... ma question, c'est on, on a le texte, on est imprégné du texte, d'accord Oui. Et après, ma question, c'est comment on arrive à euh, créer une partition par rapport au texte voilà. C'est-à-dire écrire par exemple une partition de piano, bon, clé de fa, et ouais. de sol. Ouais. Comment comment on peut écrire euh, euh, moi je dis piano parce que je fais du piano mais euh, comment je, je pourrais pour que ça sonne bien quoi avec voilà. les mots euh, que c'est-à-dire que la note là elle, ouais. elle tombe sur 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 cette sur ce je vais mot, la sur, suite. Sur cette lettre c est, c est oui, je mais on, est, on est imprégné dans l'émotion donc même si ce sont pas les mots, la disposition des mots exacts du poème, on est dans le poème parce qu'on est à l'intérieur. Mais il faut du que poème. ça sonne quand même, il faut oui. qu'il y ait une logique. Justement, vous, vous allez comprendre euh, la suite. La première bayotte là, c'est pas terminé, c'est la moitié seulement. <laughs> on va trop vite. <laughs> on, on va trop vite. vite. <laughs> une fois que euh, la, 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 les phrases rentrent dans mon corps, ma tête et mon cœur, avant la sortie de la musique, là, j'ai imaginé la, la chanteuse. La personne qui va interpréter. Ah, Il faut que je trouve quelqu'un qui va chanter ma chanson. Est en harmonie. Et, et, ah, et toute ma musique, c'est comme ça. Toute la musique, et, et j'ai choisi la chanteuse avant de composer, ou chanteur, ah, ah. le chanteur avant de composer. En fait, je connais sa voix, je connais sa possibilité de voix. Une texture de basses, voix. Mmh. Et en plus, j'ai décidé, c'est un, un ré mineur, si c'est une chanson triste. En mineur. Il faut que je trouve la gamme de l'immigration de Sido. Et si je trouvais Do mineur, cette fille-là, notre fille, fille c'est Ré mineur. Et comme je connais. Euh, euh, si je connais pas l'artiste, je demande de chanter. Ah ben, bien sûr. Il chantait avant à m'envoyer. Hum. Et je bus bon, à mesurer la, 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 la possibilité de la, la personne. Et... Et à partir de là, en fait, j'ai composé. Cette chanteuse-là, pas bonne note, c'est comme ça que je fais. Donc, en fait, j'ai trouvé la gamme, le, le oui, ré okay, et j mm. le, je cherche les mélodies, mm. Mm. après, la, la musique qui vient tout seul. D'accord, d'accord. Un, ouais. pour ah, trouver ouais. le, la personne qui va interpréter. Souvent, les, les, les compositeurs, ils font la chanson, après, ils courent derrière chercher des artistes pour interpréter. Oui, Moi, c'est l'inverse. Moi, je fais l'inverse. D'accord. J'ai trouvé l'artiste. Et j'ai imaginé cet artiste-là un peu chanter comme ça. Et euh, je sais que et la gamme, avez... ouais, okay. je donnais la gamme, je donnais le tempo, je donnais le, le rythme. Après, les notes de musique ça sort tout seul. Ça sort tout seul. En fait, c'est un peu comme un vêtement. Il mmh. faut que le, le texte, il faut que la musique. Euh, s'adapte tout, tout à fait à l'artiste. Tout à fait à l'artiste. Oui, <laughs> <laughs> la deuxième période, c'est quoi D'après vous, une fois j'ai écrit la chanson, j'ai écrit, je composé j'ai harmonisé, j'ai composé tout. La deuxième période, donc moi, j'ai envoyé à la chanteuse, il faut qu'elle chante. Avant de là, je fais comme l'architecte j'ai décrit un, un plan en disant mmh. euh, la tonalité c'est comme ça euh, là il faut changer de rythme et ça, il faut monter euh, pour, pour, pour vibrer il faut exprimer etc et deuxième période pour moi l'acte de résultat la fille qui est rentrée euh, pour interpréter ma musique dans, dans le studio et, et souvent émotion le retour, la fille il a chanté et là, je suis un des premières personnes qui a écouté. C'est là une sensation. Est-ce qu'elle chante euh, Elle a exprimé exactement ce que je souhaitais, ou, oui ou non. En fait, ça, c'est un, un plaisir. C'est la découverte, là. C'est la... une grande découverte pour moi. Ah. C'est un plaisir. Et pour moi, c'est trois période Pour moi, hum, on a de le faire. C'est un public ensemble là le retour les gens oh, j'aime bien cette chanson j'aime pas ça me dérange pas non non c'est fini beaucoup moi ça chacun C'est pour ça je dis dans la vie artiste de première période c'est quelque chose c'est beaucoup moi c'est précieux en tant qu'artiste après une fois lancé en public les gens il y a des critiques qui disent oh, c'est merveilleux mmh. l'autre dit non c'est nul ça, ça, ça comble pour moi, ça comble pour moi la vie d'artiste. Ce moment, émotion, tout à l'heure, vous, euh, vous avez cité ce poème, euh, ça, ça me vibre dans mon cœur tout de suite. Ça, ça, euh, honnêtement, ça, ça. Ça fait plaisir <laughs> aussi. <Voilà. rire> bah oui, <laughs> c'est ah, oui. un plaisir partagé. En fait, déjà, coup. le poème <laughs> est musical moi ce bohème là il y, y a la musique il y a dans déjà le la, musique, hein, y a euh, la musique les, 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 les mots enfin les, Tout à fait, oui. la concordance ben, ce, ce, ce qui est la particularité c'est que je, je ne la musique elle est innée c'est-à-dire que quand j'écris je réalise pas que c'est de la musique et, et je m'aperçois aujourd'hui que, que je j'écris des des spectacles euh, avec de l'humour et eh bien je m'aperçois que même dans l'humour on a une musique ah. il, y a, il y a un rythme un rythme. Et, et si on n'est pas dans le tempo du rythme de l'humour, ben, il y a une humour de, de qualité quand même, hein, euh, eh bien, on est à côté de la plaque. Alors, moi, j'ai fait, euh, fait l'année dernière une exposition à Séoul. Et euh, donc, j'ai exposé beaucoup de musiciens. Et il y a une personne qui, qui a acquis une toile, qui a un musée, en fait. Il a un musée d'art. Et, euh, et il m'a envoyé un, un mot il n'y a pas très longtemps. C'est un pianiste hein, que j'ai fait. Hein, et. Euh, un pianiste de jazz et il entend la musique en regardant en regardant le en regardant, le en regardant la peinture il entend la musique oui. ah oui. ah ouais, ah, c'est euh, possible c'est possible c'est hum? surprenant quand même hein. c'est naturel donc moi en ouais. fait quand, quand j'étais petit et euh, souvent au Vietnam il y a beaucoup de tonnerre les tonnerres c'est c'est euh, un langage et quand il y a un tonnerre ça fait peur ça fait peur pour les enfants. Moi, mmh. j'étais... Ouais, mais c'est là je j'ai tout de suite Et c'est un, un langage bon Dieu qui nous qui, qui n'est nous pas content, qui nous fait un, un tonnerre. En fait, on n'a pas besoin d'interpréter en anglais, en français, en chinois, en vietnamien, mmh. mais tout le monde comprend. Ah oui, la musique, c'est universel. Le, le son tonnerre, tout le monde comprend que c'est un langage. Tout non, à non, fait. Et la danse, la danse également. La, danse, la également. danse également. Tout à fait. Oui. Alors attention, il ne nous reste plus que cinq minutes. Alors euh, je vais vous demander à chacun votre dernier mot euh, sur l'inspiration et nous finirons sur une très belle musique. Alors François Fourné. Ben, L'inspiration, c'est quelque chose de formidable. C'est ce qui permet d'embellir de, l'espace, de le rendre vivant, de donner un partage d'émotions, un partage d'amour et être encore beaucoup plus relié à, à, à tous nos frères humains. J'ai envie, envie de dire. Alors, bon, simplement, très rapidement, je rappelle mes deux spectacles. Un spectacle en hommage à Jean Ferrat, le dimanche 29 janvier à 15 h au Moulin de la Bièvre à Laillé-les-Roses. Donc 22 des meilleures chansons de Jean Ferrat et le parcours de sa vie, de, de sa vie, de la vie de Jean Ferrat où je joue le rôle de Jean Ferrat lui-même. Euh, autre spectacle euh, à l'occasion de la Saint-Valentin, c'est deux jours avant, le du 14 du 14 février, c'est un spectacle qui a lieu le 12 février au, à Montmartre, au Soleil de la Butte. 12 février à 15h, au Soleil de la Butte, 32 rue Muller. Euh, métro euh, en ou à euh, Voilà, donc si vous avez besoin de renseignements complémentaires pour ces deux spectacles, 06 09 92 14 47. Merci François Fournet. Alors, un peu... Le dernier mot sur l'inspiration, euh, je me tourne vers Michel Colombin maintenant. Alors l'inspiration, euh, je la travaille tous les jours. Très bien. Je la travaille tous les jours parce que c'est un travail quotidien et auquel euh, il faut être toujours inspiré. Alors justement, Jules Renard disait l'inspiration, ce n'est peut-être que la joie d'écrire. A oui, oui non, plans. mais en fait, l'inspiration, euh, on ne l'a que par le travail aussi. Hein. Il faut beaucoup travailler mmh. pour pouvoir développer ses capacités intellectuelles qui nous amènent à l'inspiration. L'inspiration ne vient pas toute seule. On, on regarde autour, euh, euh, musicien euh, François Fournet qui, qui est poète, écrivain et, et, et qui, euh, qui fait des spectacles. Euh, euh, S'il n'avait jamais travaillé, euh, je ne pense pas que. Euh, notre musicien aurait fait de telles de musiques aussi superbes. Euh, François, des poèmes magnifiques, <laughs> des spectacles. C'est quand même effet, un travail. C'est beaucoup de travail à la, travail Alors, à la base. Nous hein. allons écouter le acquis. dernier morceau <laughs> de vintenquash Quash pour terminer cette émission. Et euh, vous avez le plaisir de réécouter cette émission tout à l'heure pour ceux qui l'ont prise en cours de route. Le, quatre, le, dernier. Va, le, 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 le numéro 4, peut-être penser de soi. Oui euh, Voilà. Voilà, alors donc le dernier morceau. Merci, Merci. Françoise. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des Beaux-Arts créé par Christian Langlois et dirigé par François Zicard, diffusé en direct mardi 24 janvier 2017 de midi à 13h30. Il est diffusé en différé mercredi 25 dans la nuit de minuit à 1h30, dans l'après-midi de 16h à 17h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75016 Paris.